Et salut à tous, c'est Exerve. On se retrouve pour une première heure, puisqu'on aura un peu moins de 2 heures ce soir ensemble sur la JVTV. Après Monster Hunter, on bascule, on passe maintenant sur la Switch. Avec donc Céleste. Comme je disais juste avant de lancer la VOD, je me suis pris le jeu, parce que je pars pas mal de jours là pour le boulot. Et du coup, je me suis dit que ça serait bien de remplir sa Switch avec des trucs, comme si j'avais pas déjà assez de jeux dessus, mais bon, on sait jamais. Ok. Alors, si jamais vous entendez pas suffisamment le jeu de la console, je vais augmenter un peu parce que je pense que c'est pas très fort. Voilà, ça sera mieux comme ça. Donc, l'objectif, c'est de grimper une montagne, de ce que j'en ai compris. Je vais juste aller voir. Français, vibration, non. Compteur de speedrun, on va peut-être attendre. Et bah écoutez, c'est parti, c'est très simple. Salut à tous ceux qui arrivent, installez-vous. Mode assisté non, renommée, Madeline. Bah oui, on va commencer alors. Je sais absolument pas à quoi ça ressemble. J'ai juste regardé la vidéo sur l'eShop de la Switch et je me suis dit, allez, vas-y. C'est bientôt la fin du mois. Le chat, visiblement, a lui aussi venu de. A envie de venir voir ce qui se passe. Hop. Qu'est-ce que tu fais, toi? Ah, tu veux juste te poser en fait. Donc on reconnaît tout. Oh là là, c'est génial, ça réagit au quart de tour. Alors je peux sauter, a priori. Voilà. D'accord. Je peux pas grimper. Ah, on peut se maintenir comme ça. Alors je joue à la manette pro, si jamais vous posez la question. C'est super mignon, ouais, effectivement. Et ça réagit trop bien. J'adore les animations quand les pixels comme ça, on a l'impression que c'est du slime. C'est vraiment trop drôle. Ah, je sais pas qui c'est qui parlait d'Okami tout à l'heure, mais c'est la même voix. Est-ce que ça va au niveau du volume de la ZIC ou pas? Extrêmement difficile ce jeu. Bah écoute, c'est bien, on est dans le ton de l'émission alors. Le son est ok, bah écoutez, super. Si tu as failli mourir dans mon allée, la montagne risque d'être trop difficile. Ok. Ah ouais, dis donc, ça parle mal, hein. Putain, c'est quoi ce jeu? Si une vieille bique comme vous arrive à survivre ici. Exactement, Celicius, c'est plus ou moins ce que j'ai dû dire au mot près. Le mont Céleste est un lieu étrange. Tu pourrais y voir des choses. Ok, d'accord. Bon, tout va bien. Ah bah forcément. Oh merde! Slow motion. Sprinter. Elle a un dash? Oh, ça m'a l'air pas mal. Alors attendez, on va juste réduire un peu la taille de la caméra parce que j'ai peur que ça soit. Tu peux le faire. Merci. Oui, on avait bouclé Fury l'autre fois. 2h15, je crois. Donc ça, c'est ce que j'ai déjà fait. Et ça, c'est nouveau. Ça, c'est vraiment surprenant, ce mix de décors en 3D tout simple. C'est quoi ça? Sauvegarder et quitter dans une pause à tout instant pour faire une pause. Ok. Je m'en trouve à avoir un chat qui s'endort, là. Faut... Je vais essayer de me trouver une deuxième webcam. Et
et de faire une 4 cam pour que vous puissiez voir cette espèce de gros pot à pouf là qui dort. Alors attends. Donc là je peux soit monter, soit descendre. Oh la zik, elle est géniale. Non, c'est mort, ok. D'accord, il faut ramasser des fraises. Ah, mais c'est une espèce de Super Meat Boy en fait. Mince. Oh. Bien. Bon bah c'est parfait ça. Ah mince. Attends, la musique elle est géniale. Pourquoi je m'emmerde à passer par là. Non. Ah zut, j'avais réussi. Alors attendez, je vais juste faire un truc parce que je sais que ça va vous paraître être l'excuse la plus naze du monde, mais j'avais ce truc là qui était sur mon bras. Donc on va te mettre la tête de l'autre côté. Voilà. Oh là, il est en train de s'endormir lui. Vas-y, pose-toi. Je vais essayer de jouer comme ça. D'accord. Ah, Céleste, c'est Ben Brunty, je savais pas. Alors, je sais pas à quoi ça sert les fraises, mais ça a l'air bien. La fraise, c'est le challenge. Bon, le début est plutôt abordable. Oh, il y a un truc là, non? Ouais. Ah, j'ai trouvé un niveau secret. Je le savais. Ça fait vachement fez en fait. Ciao, c'est délicieux, ça a l'air tellement bien ce jeu. Je suis trop content de l'avoir acheté. Ah, il y a un autre truc là, ça a l'air d'être encore plus différent. Là, je... Ah. Ah, je peux pas passer par là en fait. Et je peux pas revenir à un niveau en arrière, ok. Non. Hein? C'est quoi ce truc vert en fait?
ça, le truc vert, ça me redonne. Le truc vert, ça me redonne un dash, c'est ça? Ouais, c'est ça. Je viens de comprendre. Putain, au niveau explo... Oh! Il y a un type. Attendez, j'ai juste une question. Pour les gens qui ont déjà fait le jeu, on est d'accord? Les niveaux, c'est pas fait... Ça a été tout fait à la main, hein. C'est pas procédural, parce que ça a l'air d'être ultra dense, quoi. Donc lui, il s'est écrasé. Ouais, j'avais compris ça, le coup des cheveux rouges. Quelle nuit horrible pour une rando, c'est pas faux. T'es bien installé le chat? Ouais, c'est vrai qu'on connaît pas les motivations de la nénette encore, hein. Salut Théo. Attends, mais ces doublages à la Okami, moi ça me rend fou. J'ai tellement de choses. Seattle. Pouf. Ah, il y a quand même une espèce de lore et d'histoire derrière. Hein. Ah, on peut pas... Non, d'accord. Merde, j'avais pas vu le piège. Allez, vache. Oh. Ah, je viens de comprendre. Voilà. Et donc c'est là où je vais arriver. Voilà, j'en étais sûr. En fait, le dash il revient quand tu touches le sol. Oh la zik, elle est ouf! Oh, ça va être terrible. En plus, hey, mais c'est d'une fluidité ce jeu. Ah. Huh. Pour aller. Non, je peux pas y aller là, on est d'accord. Attends. Splotch. Je suis pas sûr qu'on puisse y aller comme ça là. Je sais pas encore comment faire. Parce que, en fait, l'idée, ça serait que je m'accroche. Merde.
Ah non, moi je suis sûr que c'est jouable. Parce que là, tu vois... Faut péter le mur. Y'a pas de mur là. Ouais, mais il se passe bien quelque chose là-bas. Ça vaut le coup d'essayer, non? Oh, attends. Non. Le panneau... Je suis quasiment sûr que le panneau, en fait, il m'indique un truc. Yes! C'est ça, il y avait un panneau, donc ça voulait dire, regarde ce qui se passe. Ah zut! Ah ouais. Je sais pas si vous avez remarqué, mais des fois j'arrive à faire un truc. Parce que des fois, donc, quand tu sautes techniquement... Ah, si tu mets pas de direction... Parce que là tu... Oh, d'accord. En fait... Il y a une espèce de technique où si tu fais l'escalade en même temps que le saut, il se passe un truc, j'ai l'impression. Faut voir. Non! Ah zut! Putain, par contre... Link, il peut rentrer chez lui, hein, parce qu'alors niveau escalade, elle est vénère, elle, hein. Madeline, là. Yeah, 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 yeah. Ouais, c'est pas du tout le même, la même logique que Meat Boy au niveau des... J'ai trouvé un truc, là, non? Oh! Ou c'est juste un secret comme ça? Okay. Bon. Putain, c'est ultra intuitif. C'est ouf à jouer. Je vous assure, c'est un pur bonheur, quoi. Ah oui, il y a des trucs partout là. Ah, et la fraise, tu la récupères que quand t'es au sol. Non! J'en étais sûr. Mais... Ah, j'ai appuyé, mais pas au bon endroit. Pas au bon moment, pardon. C'est trop bien, c'est trop bien ce jeu. Non, en plus, moi qui me suis entraîné comme un débile. Ouah.
Ah merde, je suis con. Hop, voilà. Je sais pas pourquoi je me suis pris la tête à ce point-là. Oh non, d'accord, je viens de comprendre. T'oses pas aller à gauche? Oui, ah oui, non, mais c'est, je sais pas pourquoi je me suis pris la tête, j'avais pas vu le feu. Je disais, avec ce que je me suis entraîné sur Hollow Knight, j'ai l'impression de rejouer en fait au White Palace. Parce que c'est vraiment le même délire. Hein. Non, c'est pas ça qu'il fallait faire. En fait, le changement de couleur, c'est pour t'indiquer que t'as utilisé ton dash. Il y a carrément un truc ici, là. Je sais pas si je peux vous... Ah bah non, je peux pas vous montrer sur la souris, c'est pas le PC. C'est obligé, on va essayer. C'est obligé, il y a un truc. Il y a un truc juste en dessous, là. Ah zut, j'y étais presque. Allez! C'est trop, trop bien! Ah! Yes, ça passe. Mais c'est ce que je disais, c'est tout l'entraînement de Hollow Knight là qui se... Mince, qui se ressent maintenant. Moi c'est Exerve, mais en fait je suis avec le compte JVTV là sur le chat Twitch. Ah ça va. Faut que j'y arrive hein, c'est. Ah zut. Ouais. Alors, chers amis, comment vous dire? Oh, j'aurais dû... Oui, je viens de comprendre. Ah! J'aurais cru... J'avais vraiment cru que j'avais le temps. Ah zut! Elle avait plus assez d'énergie pour grimper. Mais je pense que c'est ça l'idée. Allez! Oh, c'est trop bien! C'est trop trop bien! Alors, je vois très bien ce que vous voulez que je fasse pour la fraise, là. Mais honnêtement, c'est ultra vénère. Non, ouais, c'était pas du tout ça que je voulais faire. Mais bon, vous avez compris l'idée, je pense. Voilà.
Attendez, combien il y a de niveaux? Il y a 7 niveaux. Man up. Ah ouais, non mais c'est super ce jeu là. Putain, c'est... Ah, attends, il y a un truc là. Il est différent ce carré là. Ah non, je croyais pas. Ah oui, c'est ça, il tombe. Donc il était bien différent. J'en étais sûr. Putain, le level design, les petites indications, les petits détails qui sont lâchés à droite à gauche, c'est ouf. Qu'est-ce que t'en penses, le chat? Oh là, c'est dur. Tiens, chaud ce con. Ah ouais, d'accord. Donc je vais faire une boucle en fait. Ça passe. C'était pas très beau, mais ça passe. Ouais, je m'en sors bien maintenant sur les jeux de plateforme. Il y a un item super caché par monde. Ah oui, d'accord. Je le trouve déjà ouf maintenant, alors si tu me dis que c'est pire après, putain mais je suis trop content de l'avoir pris, c'est trop bien quoi. En plus, moi je suis vraiment le... Bon voilà, c'est le passage raconte ta vie, mais je suis le spécialiste des jeux que j'achète au pif sans savoir ce que c'est à l'avance. Ce monument est dédié à ceux qui ont péri dans l'ascension. Parce que j'ai acheté Nier comme ça, j'ai acheté plein de jeux... Complètement au pif. J'adore l'animation quand tu fais comme ça. Et bon, sur Switch, il tourne nickel. Hein. L'effet de pastille, je sais pas quoi, c'est une petite console ni rien. Hein. Ça reste quand même agréable de savoir que ça tourne nickel. Le premier Nier, je l'avais acheté au pif. Je l'avais reçu dans mon magasin Micromania. Et on avait reçu un exemplaire. Et le jeu, il me faisait pitié parce que ça venait de sortir. Personne l'avait réservé. Personne savait ce que c'était. J'avais juste vu un trailer à l'E3 de l'année précédente. Et en fait, c'est un des jeux de la vie. Donc là, j'ai terminé un chapitre, d'accord. Je suis mort 51 fois. Bon, ça, c'est pas très grave. ZL, c'est quoi ZL? Elle est bizarre, leur manette. Ah! Ah oui, Z, c'est les... D'accord, c'est les gâchettes. Donc, L, left. La cité abandonnée. 17 sur 20. Ça veut dire quoi, le drapeau, là? Ah, drapeau, c'est genre les gens que j'ai rencontrés, c'est ça? J'ai croisé un type. Ouais, t'as fini et complètement fini. Allez, saligo. Ah, c'est ça, les cœurs de cristal. C'est ça qu'il doit falloir trouver, l'item super secret.
Ah mais du coup c'est dur parce que faut apprendre par cœur les tout l'enchevêtrement des niveaux quoi. Bon on va continuer un peu. Quelle heure il est? 37, on a un peu de temps quoi. Les fraises impressionneront tes amis, mais c'est tout. Ne les ramasse que si tu y tiens vraiment. Oh, ça c'est bien ça. Oh. C'est quoi ça? Le saut dash pour se déplacer plus vite. Effectivement. Ça marche bien, ouais. Ah, tu peux faire une espèce de propulsion du coup. Merci pour l'astuce. Voilà, il y a un truc, c'est sûr. Bah oui. Devrais pouvoir. C'est bizarre parce que, en fait. C'est les étoiles de l'autre monde. Je suis dans une espèce de monde bizarre, non? On dirait. Je suis sûr qu'il y a une connerie comme ça, que je vais pouvoir changer de monde ou une connerie à un moment donné. Ouais, ça m'étonne pas que Twin il se soit mis dessus au niveau speedrun. C'est quoi ça? Ah! Il y a bien un miroir, j'en étais sûr. C'est sorti sur PC aussi, il est sur Steam. Mais il est trop bien ce jeu. Putain, comment on va faire? Parce que là, je vois rien dans le niveau qui m'indique que ça pourrait être ça. Ah oui, non, pardon, je croyais qu'il fallait que je remonte, mais non. Ah, trop tôt. Ah, la musique, elle est parfaite. C'est vraiment ça qu'il fallait pour un jeu pareil, en fait. Pas que j'aime pas la musique de Meat Boy, hein, mais... Oh non, il y avait un... Ah, comment je fais pour... Je peux pas... Ouais.
Il y avait un truc. Non, j'ai oublié de dasher. J'en étais sûr. Donc ça, c'est la fraise que j'ai vue tout à l'heure. Parfait. Ah, salut Datara. Et là, je vais changer. J'en étais sûr. Merde, c'est dark, moi. Mais c'est ouf ce jeu. Et les mecs de Towerfall Ascension, c'est... Ah ouais, d'accord, si tu ressors pas, tu peux mourir. D'accord. Oh, c'est génial. Oh putain. C'est tellement cool. Parce qu'il y avait, plusieurs gens quand j'ai lancé le jeu tout à l'heure qui étaient mentionnés. Ah! Non. Attends. Parce que là, comment je peux faire? Bah ouais. Oh, attends. Le dash? Il est gratuit le dash de ça. Oh, je viens de comprendre. Donc en fait j'aurais pu faire ça. C'est merveilleux. C'est excellentissime ce jeu, putain. C'est tellement ouf. Ah zut. Non, il est pas sur GOG, je suis un peu deg d'ailleurs. C'est pour ça que je l'ai pris sur Switch finalement, parce que je me suis dit, bon, au moins je peux l'emporter partout avec moi. Ça tue! Ça y est, c'est un de mes jeux de l'année, là, direct. Bon, c'est Dark Moe, là, quand même, hein. Non, je suis Dark, toi. Mais non, mais je me doute qu'il y en a plus, c'est pour ça que je me dis, attends, c'est déjà aussi génial à ce moment-là.
Je dois gravir cette montagne. Oui, on sait pas pourquoi. D'accord, elle, c'est la partie qui n'a pas confiance en elle. La partie pragmatique, ouais. Non, non, que dalle. Ah merde! Elle veut me tuer, on est d'accord. Ouais. La zik, la zik, ce jeu! Oh non! Oh, j'avais réussi à... Ah bah si, bon, j'ai eu la fraise. Pour aller... Oh, je sais. Non, c'est... Il y a un passage secret, c'est obligé. Yes. Ah, zut. Ah oui, il va falloir que je saute pour les esquiver. Non, bah... Non. Zut. D'accord, ok, c'est un... Je viens de trouver les leviers. Ah, la zik, elle est oufissime, quoi. C'est qui l'a faite, l'OST, vous m'avez dit? Oh, merde. Quel idiot. Non! Non mais c'est... Ding dong! Non! Merde. Trop bien. What? Non, je veux aller à gauche. Je suis sûr que je peux aller à gauche. Ah merde, non, je peux pas y aller en fait. Oh. Ah ouais, non, mais là cette fraise-là, honnêtement... Ouais, ouais. Hé
Oh non, il y avait une fraise. Ah ouais non, la fraise elle est là-haut, comment tu veux l'avoir. Bon, je sais que c'est possible mais... Ah! Ah oui d'accord, ok. Donc en gros la difficulté maintenant c'est juste que le checkpoint est loin. Bah, j'ai sauté, mec. Mais... Ah, d'accord, tu peux plus sauter une fois que c'est... D'accord. Ça, je comprends. C'est bizarre, mais je comprends. Faut que je saute vers le haut. Ah zut. Ah oui, mais du coup, ouais, faut que je fasse gaffe parce que ce saut-là, forcément. Ouais, faut que j'arrive à tomber pendant qu'elles sont toutes sautées. Oh la violence! Moi je vais essayer de finir ce niveau puis on va se faire la pause pub. Mais putain, qu'est-ce que c'est ouf ce jeu! Ouais, non, là j'avais trop de retard. Non, j'ai été bête. Je m'étais dit il y a peut-être un truc secret, mais je sais pas pourquoi j'ai été ballsy là-dessus. Ah zut. Pourquoi t'as fait ça? Parce que je suis con, Billy. Ah merde, je suis très con, Billy. En fait, plus je vais vite, plus elles vont vite aussi, j'ai l'impression. Ok. Eh ben écoutez, je vais en profiter pour souffler 2 minutes. On se fait une petite pause là de publicité et on continue juste après pour la suite de Céleste qui va être, je pense, un de mes coups de cœur là de ce début d'année. C'est la méga violence. Entre ça et Iconoclast, honnêtement, on est servi hein, niveau jeu indé. C'est vraiment très très cool. À tout de suite.